Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau quintet. Alors avant ça, on va revenir sur le quintet d'aujourd'hui, le mercredi 24 novembre. C'était à Le Mans, réunion 1, course 4, départ a eu lieu à 13h55. C'était un groupe 3, 2950 mètres, et il y avait 16 partants, mais le 6 était non partant. Alors, dans ma sélection, je vais vous donner le 8, le 9, le 12, le 2, le 7, le 16, le 4 et le 3. L'arrivée était le 5, 8, 16, 3 et 4. Donc on en avait 4 sur 5, mais on n'a pas le 5, il arrivait à grosse côte. On avait le 8, le 16, le 3, le 4. Et on avait le 6e aussi, le 2. Donc le 5 est venu vraiment casser tous les jeux. J'espère que vous l'avez mis au moins dans votre champ réduit. Donc on va repartir demain. Alors ça sera le jeudi 25 novembre à Vincennes, réunion 1, course 1. Départ aura lieu à 13h50, 16 partants, 2850 mètres, corde à gauche et sur la grande piste. Alors, ma sélection, je vous ai mis le 10 Elliott d'Ambry de Alexandre Abrivard, le 16 Equinox de Mathieu Abrivard, le 4 Epson d'Airfray de Eric Raffin, le 8 Erdelius de Mautier, le 13 de Ex Machina de Siono, le 6 Hélène de Romain Dorieux, le 3 CD de Jean-Michel Bazir, on est obligé de le mettre, et le 11 It Shot Jocelyn de Le Bourgeois. En cas de non partant, j'ai mis un tocard, mais j'aurais bien aimé le mettre dans ma sélection, mais je n'avais pas de place. C'est le 2 Say Time Again de Jean-François Senet. Donc je répète ma sélection, je vous ai dit le 10, le 16, le 4, le 8. Le 13, le 6, le 3 et le 11 et en cas de non partant, le 2. Donc moi, je reprendrai le 6, Hélène. Le 4, ça a l'air d'un épouvantail. Mais je reprendrai quand même le 6, Hélène, de Romain Dorieux. Mon 10, mon cheval qui me fait souvent gagner, Elliott d'Ambry de Alexandre Abrivard. Donc voilà, je vois ces trois-là. Et le 16 qui est très bien engagé, qui devrait être aussi de la partie. Donc voilà, 6, 4, 10, 16. Deneuil devrait en avoir 2 ou 3 dans les 4 premiers, je pense. Avec un indice de confiance de 4 sur 5, pour ces chevaux-là en tout cas. Donc voilà, j'espère que demain on va aller revoir la tête du caissier. Aujourd'hui, bon, on a pu l'avoir quand même avec des couplets 2 sur 4. Voilà, à moins que vous ayez pris les bases et vous avez mis vous le 5. Tant mieux pour vous en tout cas, parce que le 5, il était quand même très dur à aller chercher. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.